Salut à tous, c'est Camille Delannoy, je suis kitesurfer professionnel et aujourd'hui je vais vous apprendre comment se remettre efficacement au sport. Premièrement, il est important de définir vos objectifs. Vous avez envie de perdre du poids, de gagner du muscle ou de vous préparer pour un événement particulier? La définition de vos objectifs vous aidera ensuite à vous orienter vers le programme qui vous convient le mieux. Il est très important de trouver un sport qui vous plaît. Le running, le crossfit, le foot, la musculation, il y a des dizaines de sports. Et ces dizaines de sports vous permettront tous de vous remettre en forme. C'est donc très important de trouver le sport qui vous convient et qui vous plaise pour pouvoir rester motivé le plus possible. Trouvez-vous un coach. Une fois que vous avez identifié votre sport, c'est très important de vous trouver un coach qui mettra donc en place un programme d'entraînement efficace et qui correspond et à vos besoins et à vos objectifs. Une fois que vous avez trouvé et votre sport et votre coach qui vous convenait, équipez-vous. C'est important d'avoir du matériel de qualité et qui vous corresponde pour ne pas être gêné dans ses mouvements et dans le confort et au pire même, j'ai déjà eu du matériel de sport qui pouvait me faire mal. Je sais que personnellement, c'est rédhibitoire et ça peut gâcher complètement une séance de sport. Soyez patient et vous attendez pas à des miracles. Les résultats vont pas apparaître au bout de 2 ou 3 séances, mais après des mois d'entraînement. Et pensez aussi que le chiffre sur la balance est juste un chiffre. Moi, par exemple, je pèse 80 kg et je suis pas gros. Tout dépend des personnes et de leur composition de base. Apprenez à respecter vos limites. Si vous n'avez pas fait de sport depuis un certain temps, votre corps va mettre un certain temps à se remettre en forme. Laissez-lui le temps. La régularité est toujours plus importante que l'intensité. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous permettra de vous remettre au sport. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Salut !